à tous, c'est Noé, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on fait pas un jeu, mais je vais vous raconter une petite anecdote de mon cru. Un truc qui m'est arrivé, quoi. Si vous me suivez sur Twitter ou si vous avez été là pendant les streams, j'en avais déjà un petit peu parlé. Je me suis fait appréhender par un certain personnage amoureux de 11 000 vierges de manière assez cocasse, je dois dire. Ça s'est passé il y a quelques jours. Je me rendais au supermarché à la quête du saint fromage. Au rayon fromagerie, je me suis fait agresser. Mais comment est-ce possible que de pareils inconnus viennent ainsi troubler notre tranquillité si durement méritée? En gros, je me rendais au supermarché pour acheter du fromage, oui. L'amour du fromage, la quête du fromage, le saint graal du fromage, cette chose tellement importante à mes yeux. Et là, alors que j'étais à la recherche de mon fromage favori, un grand Gus s'est approché de moi, et là c'est le moment de s'épanouir la rate. Alors déjà, il m'a appréhendé de la manière que vous connaissez tous, c'est-à-dire, tu ne le regardes pas, tu n'as même pas vu que le mec était là, il commence déjà à parler, mais à voix basse, comme s'il voulait pas franchement que t'entendes non plus ce qu'il était en train de dire. Oh belle, oh t'es trop belle. Trop belle! Faut dire que j'ai mis quand même bien 15 secondes à réagir. Moi j'étais à la quête du fromage, je n'avais qu'un seul but. J'étais devant le rayon fromagerie, je le cherchais, je ne le trouvais pas. Le Saint-Saint-Albret, où était-il, voyons? Il n'y avait qu'une chose qui comptait. Franchement, j'ai même pas vu que le mec était là. Enfin, j'étais concentré sur ma quête, il n'y avait rien d'autre qui comptait. Finalement, j'ai fini par entendre quand même un truc qui remontait vers mes oreilles. Je me suis retourné et un grand Gus a commencé son discours magnifique. C'est quand même pas très commun de se faire draguer au rayon fromage. Quand j'y pense, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et c'est pas vraiment l'endroit où on pense en premier quand on se dit « Oh tiens, aujourd'hui, je me suis fait courtiser. Aujourd'hui, je me suis fait courtiser au rayon fromage de mon hypermarché. » S'en suivit le discours du Gugus. Oh là là, t'as des piercings, t'en as combien et t'en as où? C'était à peu près ça, non, c'était en beaucoup plus poli. Franchement, ça passait. C'était limite passable jusqu'à ce qu'il me regarde avec un énorme sourire et qu'il me dise du plus profond de son cœur. Tu connais Jackie et Michel? La vie est nulle. Voilà, donc non seulement je me suis fait draguer au rayon fromage, et en plus de ça, on m'a sorti la pire, je crois, la pire phrase, la pire question pour draguer quelqu'un. Tu connais Jackie et Michel? Ma première réaction a été quand même d'éclater de rire, parce que la situation était légèrement bizarre. Mais ensuite, ça a été le malaise ultime quand même, hein, oui. Et voilà que se termine cette anecdote absolument géniale. Voilà, je me sentais tellement bien après m'être fait draguer comme ça. Mon ego, mon estime, tout avait disparu en fait. C'était... On rêve de prince charmant, on rêve de gentleman. Et au final, tout ce qu'on a, c'est un Gus trop grand au rayon fromage qui nous demande si on connaît Jackie et Michel. Triste vie! Infamie! Pourquoi? Je crois vraiment que c'est une des pires... Enfin, j'en ai peut-être d'autres, des anecdotes où je me suis fait draguer, que c'était vraiment malaisant, mais celle-là fait partie quand même de mon top 1, parce que vraiment, c'était assez exceptionnel. Mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et au final, pour terminer cette histoire, je n'aurais même pas trouvé mon fromage. Goodbye, my lover. Et voilà, cette anecdote est maintenant terminée. Ce que je vous propose maintenant, c'est que, en commentaire de cette vidéo, vous me racontiez vous aussi des anecdotes sur des moments où on vous a dragué ou des moments où vous avez dragué, ça peut être très drôle aussi, et qui étaient vaches, qui étaient très cocasses, qui étaient très drôles. Voilà, si vous avez des anecdotes croustillantes dans le même genre, dites-les-moi en commentaire et dans une prochaine vidéo, on se lit ça tous ensemble. Ça peut être marrant. Vous me direz si l'idée de cette vidéo vous plaît. En tout cas, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous sur vos bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!